Bible dont on a parlé tout à l'heure, pour le siècle des Lumières, à chaque fois, ta lecture décape et retourne une image, une idée reçue qu'on s'est faite ou qu'on nous a enseignée de ces ouvrages, de ces périodes, et nous propose une vision plus sombre, un tableau plus assourdi, et pour les Lumières, la marquise cafardeuse, Madame du Défend, et puis ce héros, ce playboy guillotiné, représente bien effectivement un envers de l'histoire, de la grande histoire. Alors, sur le XXe siècle, l'abord que tu as du XXe siècle est très singulier dans la mesure où là, il y a un choix très clair de rendre hommage à des figures totalement inconnues. On pouvait encore parler d'inconnus célèbres pour les auteurs de l'âge classique que tu as choisi, mais alors là, j'avoue que rendre hommage à Albert Caraco ou à Henri Rorda, c'est quand même un tour de force. Ce sont des auteurs dont j'ignorais jusque-là l'existence, que j'ai découvert à travers ton livre. Et bon, on ne citera pas tous les auteurs qui sont cités, hein, qui sont décrits dans l'ouvrage, mais enfin, cela, ça vaut quand même le coup qu'on s'y arrête, ces deux-là. Albert Caraco, d'abord, qui présente quand même un profil psychopathologique assez intéressant. Très intéressant. Très intéressant. Alors, Albert Caraco, c'est difficile, c'est un cas, d'accord ? C'est pas un personnage. Là. Une étude de cas. C'est un, oui, c'est un cas, oui, c'est un cas. Oui. Le cas Caraco. Alors, il est né en Turquie, une famille juive riche, hein, de Turquie, et puis après cosmopolite, francophone, hein, évidemment. Donc, après, ces gens-là se sont installés en Europe centrale, en Suisse, à Paris. Et puis, quand, juste à la veille de la guerre, craignant pour leur sécurité, ils se sont exilés. Là, le Caraco était un jeune garçon, il est né en 1901, je crois, et se sont exilés en Amérique du Sud, et notamment en Uruguay. Et là, la famille Caraco a pris la nationalité uruguayenne. Et ils se sont convertis au catholicisme. Après la guerre, ils reviennent à Paris, donc dans les années 46-47. Le jeune Albert fait ses études à HEC, je crois. Hein, il est diplômé, mais bon, il n'a jamais travaillé de sa vie. Et il décide de se consacrer à une œuvre littéraire, philosophique, théâtrale, enfin bon, une œuvre. Voilà. Et il a souffert. Alors il est arrivé au mauvais moment. Il est arrivé au moment où de l'existentialisme, Sartre, de Beauvoir, puis Camus, etc. Un autre qui a souffert de cette espèce d'ostracisme intellectuel, c'est vraiment à la même époque. Bon, il avait fait paraître son précis de décomposition, mais Camus lui avait dit, écoutez, c'est bien beau votre précis de décomposition, mais la prochaine fois, revenez dans le circuit des idées. Le circuit des idées. Et sûrement, il aurait répondu, allez vous faire voir avec votre culture d'instituteur. Bon, ce qui n'est pas sympa pour les instituteurs, je trouve. Alors, donc, bref, le Caraco, donc, parallèlement à Suron, d'ailleurs, hein, ils sont assez contemporains, écrit une œuvre d'une noirceur absolument incroyable. Il y a un génie du titre aussi. Comme chez Suron, il y a un génie du titre. Ah, il y a un génie du titre. Il y a... Bréviaire du chaos. Le bréviaire du chaos, le semainier de l'agonie. La luxure et la mort. La luxure et la mort. Bon, il y en a d'autres comme ça. Ah, il y en a un qui est très bien, qui est un abécédaire, qui s'appelle l'abécédaire de Martin Bâton. Dans lequel. Alors, lui, alors tu parlais de la manière de philosopher à partir d'affects, lui ne s'embarrasse pas de concepts, effectivement, il n'a qu'un affect essentiel, c'est le dégoût. Et il décline ses dégoûts, son dégoût ou ses dégoûts sous toutes ses formes. Et le dégoût de quoi ? Ben, le dégoût d'abord de lui-même. D'ailleurs, il s'en explique fort bien dans un texte admirable. Alors, si on doit lire quelque chose de Caraco, c'est avant tout le livre qui concerne sa mère, qui s'appelle Post-Mortem. C'est un ouvrage qu'il a écrit juste après la mort de sa mère, qui a dû mourir dans les années 60 à peu près, où là, il explique comment il est devenu celui qu'il est, c'est-à-dire comment il a été, au fond, castré, abîmé, stérilisé, au niveau sexuel, hein, par sa mère, envers qui il a toujours, bien entendu, eu une
grande admiration, parce que c'est une femme très distinguée, etc. Mais en même temps, qui était une femme terrorisante, dévoratrice, inhibante, enfin bon, bref, l'horreur absolue. Et, oui, parce que si le dégoût est universel, il y a quand même l'amour pour maman qui est là. Alors, mais, oui, mais c'est un petit garçon, en fait, Caraco, qui raconte la manière dont on a fabriqué un monstre qui est lui-même, c'est-à-dire cette monstruosité étant le dégoût de soi. Le dégoût de soi. Et par contamination, le dégoût du vivant en général. Je crois qu'il n'y a que les microbes et les virus qui trouvent grâce à ses yeux. Dans le monde du vivant. Tout ce qui peut. Parce que si le vivant pouvait disparaître, pour lui c'est ça au fond, la finalité, la meilleure chose qui puisse arriver, c'est la disparition du vivant. Pareil, mais parce que c'est un auteur peut-être le plus humoristique que j'ai jamais lu. Une sorte de, je sais pas, j'arrive pas à trouver le. Il y a un auteur comme ça à qui on pourrait le comparer dans le mode de l'exagération, mais une exagération qui n'est pas insignifiante, parce qu'on dit toujours l'exagération. C'est toujours, finalement, on finit par annuler ce que l'on veut dire en exagérant. Or, il y en a un qui n'annule jamais ce qu'il veut dire en exagérant et qui fait de l'exagération le style même de son œuvre, c'est Thomas Bernhard, par exemple, avec le ressassement, etc. Eh bien, il y a chez Caraco exactement, enfin, à peu près la même chose, c'est-à-dire un ressassement des dégoûts, des obsessions, des hantises, des... Et... Alors... C'est exprimé avec un tel style, avec une telle retenue, avec parfois même une certaine préciosité, qu'il y a un tel contraste entre ce qui est exprimé, c'est-à-dire la profonde dégoût, une noirceur totale, et la beauté du style, que c'est une œuvre littéraire qui n'a pas son pareil, je n'en connais pas. Il a vécu seul, il a vécu... Bon, il a commis, il s'est suicidé. Il a vécu avec papa et maman. Dans un appartement parisien, il a vécu avec en fils attaché, voulant pas se séparer de ses parents, pensant que s'il se séparait d'eux, il les vouait à la mort. À un moment donné, sa maman donc est décédée. Alors il pensait que bientôt viendrait son tour, mais pas avant que son père ne meure, parce que il pouvait pas le laisser comme ça, son père veuf. Mais il le dit, dès lors que mon père sera mort, dans les heures qui suivront, je ne serai plus de ce monde. C'est exactement ce qu'il a fait, c'est-à-dire 24 heures après, il s'était... Contrairement à d'autres auteurs qu'on a évoqués qui en restent au niveau de la métaphysique, de la morale, des sentiments, du style, chez Caraco, il y a une prise en charge de la politique, et c'est vrai que quand le nihilisme devient un programme politique, tout d'un coup, c'est un peu moins drôle. Il y a une citation comme ça que tu fais dans le livre, et c'est vrai que pour avoir lu l'ensemble du passage, le passage, il est un peu embrouillé d'ailleurs ce passage, mais enfin, bon, je vous fais la citation. Mon passage est embrouillé. Non, le passage de Caraco. Non, je vais expliquer pourquoi il est un peu embrouillé. Enfin, la citation que tu fais, c'est celle-ci. Nous adopterons le racisme et nos problèmes seront résolus par le carnage. Et la réduction à l'esclavage des bruns, des jaunes et des noirs. C'est une vérité cruelle et simple. Cela s'inscrit dans un passage où on ne sait pas très bien si Albert Caraco prophétise sur la décadence de l'Europe, qui semble inéluctable, l'essor du racisme, comme le ferait finalement un analyste. Voilà, l'Europe est vouée à certains déclins, et dans ces périodes de déclin, le racisme prend son essor. On ne sait pas si c'est ça qu'il veut dire, ou si au contraire il fait l'apologie du racisme. Mais, donc... Que penser de cette déclinaison politique d'un affect nihiliste? Je te soupçonne de me demander, enfin, sous ta question, j'entrevois un soupçon. Tu es en train de me dire, est-ce que tu l'approuves? Mais non, c'est bien que tu ne l'approuves pas. Mais... Non, parce que moi, la politique, je m'en fiche en réalité, fondamentalement. Le racisme chez Caraco, c'est encore un autre visage de son,
de son dégoût. Alors, dans un premier temps, Caraco avait pris en grippe les Juifs. La conversion de sa famille au catholicisme avait été préparée en amont par sa mère comme étant, enfin, comme une espèce de bourrage de crâne en lui disant, tu vois, nous venons de ce monde-là, regarde comme ce monde-là est absolument ignoble et dégoûtant, presque. Le discours de la mère, c'était au fond, nous méritons notre sort, il faut absolument sortir de là et devenir donc finalement passer du côté du manche, d'une certaine façon, donc du côté de la chrétienté, du côté du catholicisme. Un petit garçon, il a intégré cette affaire-là. Et puis après, donc il a nourri une espèce de détestation de ses propres origines, donc ça a rentré très bien dans cette détestation de soi. Et puis, il y a eu un événement majeur qui a fait revirer dans l'autre sens, c'est la guerre israélo-arabe, où il a vu que Israël, au fond, était le seul pays qui semblait défendre les valeurs occidentales de manière comme ça, sur un front avancé dans le Proche-Orient. Et alors, lui, le petit Parisien un peu peureux, péteux, là, comme ça, qui se retrouvait dans la rue avec des Asiatiques, des Noirs, etc., et qui avait peur, finalement, il s'est un peu, comme ça, haussé du col avec, souvent, le racisme, hein, c'est ça, c'est une théorie de trouillard, en réalité, hein, donc il a la trouille, mais... Comme chez lui, tout passe par le style, alors effectivement, le racisme, alors il met des majuscules à des notions qui n'en valent, qui valent pas grand-chose, mais quand même, la différence qu'il y a entre lui et d'autres racistes qui n'osent pas le dire, c'est que lui, alors vraiment, son racisme, il est absolument mais radical. Lui, il est pour le carnage, il est absolument pour le choc des civilisations, il faut en découdre avec tous les gens qui nous envahissent. Il faut absolument, ou alors c'est l'engloutissement. Alors, justement, je ne juge pas, mais tout ce que je vois là, c'est une contradiction. C'est-à-dire que, d'un côté, pour quelqu'un qui estime que l'humanité n'est pas tripette, il semble quand même sauver dans l'humanité une partie de l'humanité qui serait, disons, la race blanche, parce qu'il dit, à un moment donné, nous, les Européens, il va falloir que nous nous unissions avec les Américains, c'est un peu embêtant, mais pour mettre tous ces gens-là dehors, etc. Bon, alors, c'est une contradiction. Mais, je ne sais pas pour l'excuser, mais à l'époque, le discours politique qui dominait en France, c'était le discours anticolonialiste. Et comme Caraco souffrait de n'être pas reconnu, et comme tous les intellectuels de l'époque qui étaient reconnus étaient tous anticolonialistes, Sartre en tête, etc., les damnés de la Terre, alors je pense qu'il devait prendre un malin plaisir à prendre systématiquement le contre-pied de cette idéologie qu'il devait juger comme étant officielle.